aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi. Le lundi c'est unboxing avec la boutique Diamond Art Gif. Donc aujourd'hui ce sera du diamond painting. Je vais vous présenter deux petits accessoires, un que vous avez l'habitude, plus un que bon, vous devez connaître parce que je pense que vous en avez chez vous également. Et il y aura un DP et un DIY DP en diamond painting. Alors, je vous montre tout de suite les deux accessoires. Hop. Alors, ça, vous connaissez par cœur. C'est le petit pot de glu. Alors, celui-là, c'est celui où il y en a 5. Voilà. Alors, vous voyez, il est en forme de diamant. Et là, celui-là, il y en a 5 et les glues sont beaucoup plus épaisses que les autres. Voilà. Et elles sont vraiment tip-top, ceux-là. Elles collent bien, elles durent bien. Pas besoin de changer la glue tous les 5 minutes. Vraiment, elles sont vraiment très bien. Vous voyez, il y en a 5. Voilà. Et sont vraiment, vraiment très bien. Je vous les conseille. Hop, on va les remettre dans leur petit pot. Et un deuxième accessoire. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Là. Allez, voilà. C'est pas un stylet. C'est un petit scalpel. Attendez, il est desserré. Voilà. C'est un petit scalpel. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça, c'est quand vous voulez couper, vous savez, en forme de case, votre papier que vous mettez, que vous avez ou que vous mettez au-dessus de votre diamond painting. Donc, nous, on met du papier sulfurisé, papier cuisson, hein, de cuisine. Et après, on découpe les cases avec ça. Il y a, bien sûr, il ne faut pas appuyer comme un bourrin. Hein. Voilà, sinon vous allez couper votre DP. Tout en douceur, ça suffira pour couper vos cases. Voilà. Donc, il existe en plusieurs couleurs. Je n'aurais pu vous dire, mais il y a plusieurs couleurs. Hein. Bon, il est super léger. Ah, je ne vous ai pas dit la glu. La glu était à 1,99$ et le scalpel est également à 1,99$. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer le DIY Diamond Painting. Alors, je ne sais pas si on en a déjà vu dans les vidéos, mais bon. Mais là, je ne regarde pas toutes les vidéos unboxing. Hein. Je vais tout sortir. Voilà. Voilà. Alors, on a d'abord un petit toolkit, comme d'habitude. Le petit plateau, le stylet et le petit carré de glu. On a deux petits stickers blancs. Voilà, je vous expliquerai après, mais nous, on ne va pas s'en servir. On a des strass que je vais vous montrer. On a, alors, hop, un double socle. Voilà, donc ça, on va le... Alors, les deux stickers qui sont là, c'est du double face. Et normalement, c'est pour coller ça. Je ne suis pas sûre de l'efficacité de ce double face sur du bois comme ça. Donc, moi, j'ai de la très bonne colle. Attendez, je vous montre, je l'ai là sous la main. Je m'en sers beaucoup pour plein de choses. Voilà, c'est de la B7000. Elle est nickel. Bah, je colle même les plexis, vous savez, sur les cadres quand, avant de faire les DP. Moi, je colle les plexis tout autour avec ça. C'est nickel. Si je voulais, je vous mettrai en... J'essaierai de ne pas oublier. En barre d'infos,
le lien pour avoir de la colle comme ça. Moi, j'achète chez Amazon, mais voilà. Mais elle est vraiment tip-top, cette colle. Voilà, donc nous, on collera le... Aidez-moi le double support avec cette colle-là. Comme ça, au moins, on sera sûr que ça ne bougera pas. Mais pourquoi avoir un support? Eh bien, parce qu'on a une petite décoration comme ceci. Je vous mettrai les photos, hein, ce sera beaucoup plus coloré. c'est une décoration. Alors, je ne vais pas le mettre dans son support maintenant. Ah, bah si, ça va, ça tient. Vous voyez, hop. Donc là, j'en ai mis qu'un, hein, bien sûr. Ça va tenir comme ça. Vous le mettez sur votre meuble, sur votre bureau, là où vous souhaitez. Donc, il y a des images, voyez, alors d'Indiens. Voilà. Et bien sûr, la petite statue, là, bah, c'est un Indien avec ses ailes, des ailes. Voilà. Alors là... Ah non, je croyais que c'était, il avait des os, mais non, c'est ses bras. C'est les bras musclés. Voilà. Donc, c'est en bois. David, c'est souvent en plastique, hein, ces choses-là, mais là, c'est en bois. Donc, c'est très bien. Ça change que d'avoir du plastique. Donc, ça, bien sûr, c'est Chouchou qui va le faire. Vous l'auriez deviné. Je pense qu'il fera assez rapidement. Là, il est en train de terminer un DP. Le DP de Mickey, vous savez. Il est en train de le terminer, oui, déjà. Et je pense qu'il va faire ça juste après. Allez, je vous montre le... Alors, j'espère que je vais bien savoir vous les montrer. Désolée pour le bruit. Alors, on va voir si ça, si j'arrive à vous les montrer comme ça. Sinon, je bougerai le téléphone. Voilà. Les petits yeux de chat. Voilà. Là, des rouges. Là, ce sont des strass. De quelle couleur? Même moi, je n'arrive pas à voir la couleur. Alors, attendez. Gris, enfin c'est transparent mais c'est gris. Voilà, bah, là tiens vous voyez un peu mieux. Là ce sont des blancs, non des jaunes. Des jaunes. Ici on a des rouges. Vous voyez pas bien les couleurs, hein, je suis désolée. Alors attendez, bougez pas, partez pas, hein. Alors voilà, bon, je me suis installée un peu à la wall again. Voilà, ici on a des jaunes, des autres jaunes, des rouges, des marrons clairs et des rouges. Voilà, désolée hein, pour la... Du coup, ça fait combien de couleurs, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs. Enfin, 9 strass différents. Je vais ranger ça. Hop. Ce petit ornement... Alors, ils appellent ça un ornement d'épée amérindien. Voilà. 5,99 $. Donc, ça va. C'est pas du tout cher. C'est vraiment tip top. Alors attendez, ça c'était là-dedans, ça c'était là-dedans. Je préfère tout remettre dans les petits sachets pour pas qu'il manque des pièces pour chouchou ou quoi. On ne sait jamais. Alors les deux petits stickers, bon, je les remets dedans, mais nous, comme je vous ai dit, on va pas s'en servir. Je trouve ça beaucoup trop fin. Vous voyez, c'est rien du tout. Ça va pas coller le bois, ça. Ça va peut-être le coller le premier jour,
Et après, ce sera fini. Donc, il vaut mieux mettre de la colle. Voilà. Hop. Excusez-moi. Hein. Voilà. Bon, ça et ça, on n'a plus besoin. Je fais mon petit ménage. Alors, un DP. Alors, ça va changer. Normalement, Chouchou n'a jamais pris ce motif, ce dessin. Alors, attendez, je cherche le bout. Oh là là. Je vous dis, il fait pas bon hein, de vieillir. Hein, on voit plus clair. Voilà. Alors, c'est un, enfin, un petit, c'est un 40-30 en perles rondes et les perles sont mises en sachet zippé. Donc, ça va aller très bien pour vous les montrer. Petit toolkit, comme d'habitude, le petit plateau, la glu, le petit stylet. Alors, est-ce que, oui, comme d'habitude, je vais bien remettre le plastique. Les plastiques font toujours un petit peu de plis, hein, mais bon, c'est pas... Nous, après, dès qu'on les fait, on les enlève, donc, et on met du papier sulfurisé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vous l'ai déjà montré également en vidéo, comment on faisait. Voilà. Hop. Alors, ceci pour faire... un dinosaure, je vous remets la photo hein. Je vous remets la photo, voilà, un dinosaure. Donc ça, Chouchou n'en a jamais fait de dinosaure, donc il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, pour changer. Alors je ne saurais pas vous dire le nom de la bestiole hein. C'est un dinosaure, mais alors de quelle race, je sais pas. Ceux qui s'y connaissent me le diront peut-être, mais celui-là, il a deux petites pattes, deux courtes pattes comme ça devant et il marche sur deux grandes pattes derrière. Je crois que c'est celui qu'on voit le plus souvent, mais je ne sais pas dire ce que c'est. Alors, il y a 21 couleurs, voilà. Niveau impression, ben, je vais vous le remontrer dans l'autre sens, vous verrez mieux. Il n'y a pas de problème et niveau colle, il y a de la colle, ça va. Je me change de téléphone de place et je vous montre ben, les perles. Voilà. Je pense que là, vous les verrez bien en gros plan. Bon, c'est des couleurs un petit peu neutres, hein, mais voilà. Hop. Voilà. Est-ce qu'on vous avez tout vu? Oui, vous avez tout vu derrière. Vous avez vu également. Voilà. Donc, c'est les petits sachets zippés avec le petit diamant. Voilà. Alors, j'avais oublié de vous montrer. Donc, au niveau de l'impression, vous voyez. No problème. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Voilà, alors pour ce petit dinosaure, donc je vous rappelle, c'est un 30-40 en toile complète, hein, c'est la taille toile complète, en perle ronde, il est au prix de 4,88 $. Voilà. Bah écoutez, j'espère que les articles que je vous ai présentés aujourd'hui vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez, bah, par exemple, un dinosaure? Pourquoi pas pour la chambre d'un enfant? Je sais que les enfants aiment bien les dinosaures. Le DIY indien, pareil. Moi, j'aime bien. Et donc, je pense que Chouchou va aimer le faire. De toute façon, c'est lui qui l'a choisi, donc... automatiquement il va aimer. Voilà, donc moi je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif
Et moi, je vous remercie tous d'être toujours là, aussi nombreux et aussi fidèles à ma chaîne. Je n'ai pas souhaité encore la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.